Hello tout le monde, c'est Testeur de jeu pas cool. Bon bah, je voulais juste vous souhaiter une bonne vidéo. Enfin, si ça souhaite. Et puis passer de jeux, bon, jeux paralympiques, même si c'est pas vous qui les faites. Et bien, au revoir. À bientôt. Et au revoir. Bon, ok, je vais rester un moment et au revoir maintenant. Hello tout le monde. C'est Testeur de jeu pas cool. Aujourd'hui, nous sommes... c'est une vidéo pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques. Eh oui, je sais pas si vous savez ce que c'est les Jeux Paralympiques. C'est les Jeux pour les gens qui sont pas très... Enfin, qu'ils ont un problème... non, pas un problème. C'est qu'ils sont non valides. On peut les appeler comme ça si on veut. Et l'organisateur, c'est le Comité International Paralympique. Ça se passe à Sotchi, au Caucase, plus exactement en Russie, en Europe. Non, vers la mer Noire. Il y a la moitié des nations qui étaient à Sotchi, déjà qu'on n'avait pas beaucoup, en plus là, il y a la moitié. Il y a seulement 5 sports. Il y a le curling sur chaise roulante, je crois. Le curling en fauteuil roulant, c'est plus adapté, ce langage. Il y a le biathlon, il y a l'hockey sur luge, il y a le ski alpin, le ski de fond. Au programme, non, pas au programme, il y aura la moitié des délégations participantes, 45, 46 à peu près. Avec l'Amérique qui compte 6 pays, l'Asie qui compte 7 pays, l'Europe qui compte 30 pays, et puis l'Océanie qui compte 2 pays. Donc l'Afrique compte 0 pays. Donc je vais vous les citer, les pays en Amérique, l'Argentine, le Brésil, le Canada, le Chili, les États-Unis et le Mexique. Puis ensuite en Asie, il y a la Chine, la Corée du Sud, l'Iran, le Japon, le Kazakhstan, la Mongolie, l'Ouzbékistan. En Europe, il y a l'Allemagne, l'Andorre, Arménie, Autriche, Belgique, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, pardon, la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Islande, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suisse, la Suède, la République tchèque, la Turquie et bien sûr l'Ukraine. Donc, ensuite l'Océanie qui compte l'Australie et la Nouvelle-Zélande. En Afrique, il n'y a toujours rien. Il va pas y avoir grand-chose. En Andorre et en Arménie, il y a seulement un athlète, comme en Iran, en Mongolie et au Mexique. Il y a aussi en Roumanie, en Serbie et en Slovénie un athlète. Puis ensuite, il y a deux athlètes au Brésil, au Chili. On n'est pas là pour parler d'athlètes, mais je parle quand même. En Ouzbékistan, en Belgique, en Bulgarie, en Croatie, en Danemark, en Islande et en Turquie. Et puis ensuite, non, j'ai pas envie de faire la liste, mais bref quoi, ces pays-là n'ont pas beaucoup de trucs, d'athlètes, on va les appeler comme ça. Donc, les Jeux paralympiques, c'est des Jeux paralympiques. Voilà. Tout simplement, avec 5 sports seulement, avec comme mascotte, le rayon de lumière et le flocon de neige. Ouais. Ça se passe à Sotchi, Caucase. Oh, j'y arrive pas. Et voilà. Bref, les Jeux paralympiques. Ah bah non, j'ai déjà dit. En fait, je crois que je me répète plein de fois. Mais tellement plein de fois que là, je sais même pas quoi dire. Non, je sais vraiment pas quoi dire. Alors, la Russie qui a le plus d'athlètes, je crois, suivi des États-Unis, peut-être, où ils ont le même nombre, peut-être.
Oui, ils ont le même nombre, je crois. Ouais. Bon, bah, on va continuer ce que je disais. Puis ensuite, avec trois athlètes, nous avons l'Argentine. Et puis, c'est tout? Non, 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 non. On a l'Argentine et la Nouvelle-Zélande. Avec quatre sportifs, en fait, je parle de sportifs là. Nous avons. Vous pouvez vous amuser à les compter si vous voulez. Ah, on a personne. Puis avec 5 athlètes. Nous avons le Kazakhstan. Attendez. Le Kazakhstan. Et puis c'est tout. Avec 6 parties. Enfin, 6 athlètes. Nous avons. Littéralement personne. Avec 7 athlètes, en fait, je parle dans le vide, j'ai l'impression. Enfin, ça sert à rien ce que je dis. Ouais, non, je vais m'arrêter là. De toute façon, cette vidéo va s'arrêter. Un jeu que je vais tester, il est assez bon pour moi, d'après ce que j'ai vu. Bon, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, à la prochaine. Ouais, je sais, la fin, elle n'était pas terrible. Mais bon, j'ai pas. La vidéo se termine et en plus, je vois pas l'intérêt de dire tout ça puisque, à la fin, j'ai fini. C'est le Comité international paralympique, si jamais, qui organise ça. Au revoir! Merci d'avoir regardé cette vidéo à la fin. Et puis, jusqu'à la fin. Et puis, au revoir!